Toi, là, toi qui me regardes. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va ultra méga bien. Et tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis mais très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo que je sais que tu adores. Ça sera un haul. Action. Oui, donc les loulous, j'ai été à Action et j'ai fait quelques petits achats que je vais te présenter. Donc le sac est juste ici, tu le vois, tu le vois, tu le vois plus. Bref, j'arrête mes conneries. Donc vous allez voir, ça va pas être non plus un big big haul, mais il y a quand même pas mal de petites choses. Comme à mon habitude, je t'indiquerai les prix quelque part sur l'écran. Tu as l'habitude avec moi. Donc c'est parti les loulous, c'est parti. Je vais prendre comme ça me vient. Alors, j'ai trouvé de la lessive Ariel. Chez Action, oui, alors j'en ai déjà vu souvent, la lessive Ariel, mais c'est souvent, vous savez, des petites boîtes. Et voilà, pour dépanner, ça va, mais voilà, pour avoir 12 dosettes ou 10, je sais plus combien il y en a dedans, chaque fois, j'en prends pas. Je préfère prendre mon Skip à Leclerc, qui est beaucoup moins cher que le Ariel. Mais là, je suis tombée sur les dosettes Ariel, mais c'est le format XL, oui, je l'ai déjà ouvert parce que je suis allée hier matin à Action. Hier après-midi, j'ai fait une machine de linge. Et du coup, ça, j'ai déjà utilisé une dosette. Donc là, c'est vraiment le gros pack. Vous avez 33 dosettes. C'est de la Ariel All-in-One Pots avec une touche de Lenor Unstoppable. Donc comment vous dire que j'ai sauté dessus? Alors je vous indiquerai le prix quelque part sur l'écran. D'habitude j'ai regardé en plus sur Leclerc Drive dès que je suis rentrée, la Ariel comme ça, le gros format, il est à 10 ou 12 euros, un truc dans le genre. Là c'était 8 euros et quelques. Alors comment vous dire les loulous que la Pola là, ah bah elle a sauté dessus. Donc si vous cherchez de la Ariel, grand format, pas cher du tout, beaucoup moins cher que Leclerc, Carrefour et Tutti Quanti. Foncez les loulous, foncez, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai pris, je vais vous mettre à l'endroit, des petits cotons. Oui, vous savez, les super larges comme ça. Pour moi, pour mon fils, pour ma fille, on adore ça. Alors moi, j'ai les cotons, vous savez, réutilisables là, que j'avais acheté chez Action. Ils sont super bien, mais j'aime bien quand même avoir des petits cotons toujours à la maison. Voilà, les hyper larges, je vais y arriver, dis donc, Paula. Les hyper larges comme ça sont très très bien. Donc c'est de la marque Alvira. Vous en avez 50, c'est 100% coton. Impeccable. Donc j'ai pris deux petits sachets. Ensuite, j'ai pris un petit chargeur comme ça. Voilà, pour mon portable. Il est très long, il fait 2,5 m au niveau de la longueur du câble. Pour le travail. Parce que à la maison, j'ai un chargeur, mais comme j'emmène mon portable, etc., au travail. Je me dis, imagine un jour j'ai plus de batterie. Pop, 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 Paula a un chargeur dans son tiroir au boulot. Ensuite, j'ai pris, donc ça c'est pour mon fils, un gel douche comme ça, Adidas. Donc il y avait plusieurs senteurs. Moi j'ai pris la bleue. Ils sont trop trop bons. Ouais, ils sont trop trop bons. Ça sent l'homme. Ils sont trop trop bons. Donc pareil, je le prends régulièrement. Donc mon fils, il adore ceux-là, les Adidas. Il aime bien aussi les Axe. Donc je change. Un coup je prends Axe, un coup je prends Adidas. Donc voilà, parce qu'il en avait presque plus. Ensuite, j'ai pris cette petite crème. Voilà, apparemment, à ce que j'ai pu voir dans pas mal de groupes Facebook spécial Action et sur certaines vidéos YouTube, apparemment, cette crème-là, c'est de la bombe atomique, les loulous. C'est une crème de jour, si je dis pas de conneries. Vous avez 50 ml. Donc, ils nous disent, ils nous disent, ils nous disent. La série Botanical Care vous emmènera dans un monde riche d'ingrédients d'origine naturelle qui sont les composants de nos cosmétiques dans plus de 95%. Cette crème a été créée pour nourrir, hydrater et donner à votre peau une sensation de fraîcheur, durée tenue chaque jour. De fraîcheur durée tenue chaque jour. C'est pas très bien français, on dirait, hein, mais bon. Bref, cette crème convient à tout type de peau, y compris les peaux sèches et sensibles. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien avec le plastique. Et en plus, là, aujourd'hui, la luminosité, elle est pas top. Donc, hop, voilà. Donc, bref, on va tester. En tout cas, le packaging, il est super joli. Ensuite, j'ai pris ça. Voilà, j'ai pris ça. Pour les enfants,
pour moi. Et pour le chéri, donc vous avez des mini stickers, je crois que c'est des mini, hein. Donc vous avez des stickers, des Milky Way, des Bounty, des Twix et des Mars. Voilà, vous en avez 20 à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris un petit pinceau, comme ça, parce que des pinceaux, on n'en a jamais assez. J'ai pris, alors je ne sais pas si c'est une nouveauté, en tout cas c'est la première fois que je le vois, et en plus c'était ma teinte, c'est le fond de teint, comme ça, de chez L'Oréal. Alors, il restait deux teintes, il y avait celle-ci, plus une autre qui était hyper foncée, donc j'ai eu de la chance, donc c'est totalement ma teinte. C'est la référence 175 Sable, alors c'est le L'Oréal Infaillible 24 heures. Ouais, donc bah écoutez, ma foi, on va tester. Moi, je ne le connais pas du tout celui-ci, là, je ne l'ai jamais testé. Donc, je ne sais pas du tout si c'est une nouveauté, en tout cas, c'est la première fois que je le vois dans mon action. Bah écoutez, on peut la sauter dessus, là. Donc ça, c'est ma puce qui a pris ça. Je crois qu'il n'y en a que deux. Ouais, il n'y en a que deux. Alors, elle me dit que c'est une crème pour le visage, non? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je ne sais même plus. C'est un masque, voilà. Un masque peel-off. Donc, celui-ci, c'est un masque peel-off. Elle m'a dit que c'était une nouveauté. Voilà. Elle m'a dit, maman, il y a une nouveauté. Et celui-ci, c'est quoi? C'est quoi? C'est un masque gelé. Voilà, ça, c'est un peel-off. Et ça, c'est un masque, pareil, en gelé. Voilà, est-ce que vous voyez bien les loulous? Voilà, donc ça, c'est pour ma puce. J'ai repris des piles, comme ça. Voilà, les petites, là, les toutes fines. Parce que j'en avais plus à la maison. Et moi, avec ma souris d'ordinateur, bah du coup, il faut des piles. Et du coup, bah j'en ai repris. J'ai repris des petits sticks pour m'oublier. Si je vous le mets à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Voilà. Des petits sticks de la marque Freja. Donc, ceux-là sont au poulet. Vous avez aussi au saumon, je crois. Si je dis pas de conneries. Donc, voilà. J'ai repris des petits sticks. Ah ben non, il y a aussi un autre masque. Je me disais aussi, d'ailleurs, il me semble que j'en avais vu trois. Celui-ci, là. Voilà. Donc, là, elle a... Oulé ! Ça a failli se casser la margoulette. Donc, voilà. Les trois nouveautés. Et celui-là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le rose, là. Masque crème. Alors là c'est une crème, enfin un masque crème. Là c'est un masque peel-off et celui-ci c'est un masque gelé. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, ma foi. Hein. Voilà, elle a pris celui-ci aussi. Ensuite, j'ai repris mes fameuses nouilles chinoises. Ça pour le midi, c'est top quand on n'a pas le temps, surtout maintenant moi avec le boulot, les enfants qui viennent, qui repartent, etc. aussi. Donc voilà, donc j'ai repris deux paquets parce qu'il m'en reste encore dans le placard. Ensuite, j'ai pris ça. Oui, des noix de cajou comme ça. Moi, le chéri, les enfants, on adore les noix de cajou. Alors ceux-là sont salés et vous avez aussi les paquets bleu ciel. Je crois que c'est, il n'y a pas de sel. Mais voilà, moi j'ai voulu prendre celle-ci. J'espère qu'elles sont pas trop salées parce que quand elles sont trop salées, moi j'aime pas. Le chéri non plus. La dernière fois, le chéri, il en a acheté, je sais plus où. Elles étaient salées, mais alors salées, une horreur. Alors du coup, j'espère que ça ira, parce que c'est bien quand elles sont un petit peu salées, mais pas non plus de ouf, quoi. Donc on verra bien, je vous dirai ça, les loups, dans mes produits terminés. Ensuite, ça. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'adore ceci. Voilà, donc ça, il n'y a pas du tout de sel à l'intérieur. Vous avez des cacahuètes, des raisins secs, des noix de cajou et des amandes. Voilà, vous avez 200 grammes. Donc ça, comme je vous le dis à chaque fois dans mes hauls actions quand j'en achète, ça c'est le top. Si vous avez un petit creux le matin ou même l'après-midi et tout, ça vous pouvez manger. Vous ne grossissez pas les loulous. Ah, au lieu de manger des gâteaux, comme moi, et ben vous mangez ça. Voilà, tout simplement. Et c'est super bon, super bon. Et j'ai pris, dernier article, alors vous voyez, c'est un tout petit haul. Du gel, oui, donc ça c'est pour mon fils parce qu'il en avait plus. Donc je lui ai repris celui-là, j'espère qu'il va bien aimer. Je sais que je lui ai déjà acheté de cette marque-là, c'est de la marque Schwarzkopf, le Taft Men. Donc c'est, là au niveau de la tenue, c'est la 8, comme ça. Donc j'espère que ça ira, ils disent que ça colle pas, donc bah ma foi. Il va avoir, il me semble que je lui ai déjà acheté, mais pas à Action, hein, chez Leclerc. Une fois quand il y avait les promos de chez Leclerc et je crois qu'il a bien aimé. Donc, on verra bien. Et
le ticket de caisse. Donc ça, je vais le garder, hein, pour quand je ferai le montage, pour mettre les prix. Donc voilà, les loulous, mon haul action, le sac est vide, est enfin terminé. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire, vous, quelles sont vos nouveautés que vous avez dégotées chez Action récemment? Parce que vous savez que je suis curieuse et j'adore échanger avec vous. Sur ce, les loups, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et à moi, ça me fait ultra méga trop plaisir. Sur ce, je vous embrasse. Mmh, très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis, bah, quant à toi et quant à moi, bah, écoute, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.